Salut, salut ma famille à moi, comment vous allez? Ah, en tout cas, moi je vais très très bien. J'espère que vous aussi vous allez bien. Je suis très content de vous faire des vidéos, vraiment très content. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vient de dépasser la barre des 8000 abonnés, les amis. Ça s'applaudit, ça s'applaudit, ça. On vient de dépasser la barre des 8000 abonnés. Franchement, vous vous en rendez pas compte, même pour le registre de gens de mes vidéos. C'est vraiment très très difficile d'atteindre ce nombre d'abonnés en quelques mois. 5 mois seulement. On vient de dépasser les 8000 abonnés, franchement. Grand merci. Je ne vous connais pas tous, mais franchement, je ne peux que vous dire merci. Continuez de me soutenir, continuez de partager mes vidéos, continuez de liker, de commenter. J'aime bien converser avec vous. Merci, 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 merci. Comme vous savez, hein, le sujet de la vidéo, il faut qu'on en parle, faut qu'on en parle. Si vous avez bien remarqué, j'aime pas réagir au pif. C'est-à-dire quand le buzz est trop dans faire des vidéos, j'aime pas ça. J'aime réagir calmement. J'ai le temps de voir toute la mesquinerie qui se fait autour, tous les petits détails en fait. Là, quand je me prononce, généralement, c'est plus clair, quoi. Voilà. Mais bien avant de faire ma vidéo, je voudrais vraiment dire merci à une personne qui vient de me toucher. Je vous ne savais pas à quel point je suis dépassé, même je tombe des nues. Franchement, il a pas un grand cœur, il a un énorme énorme cœur. Franchement, je suis dépassé. On s'est jamais vu, on se connaît que sur les réseaux sociaux, mais il vient de poser une date vraiment qui me touche vraiment beaucoup. Je veux parler du professeur Cissé depuis le Mali. Franchement, un homme tranquille, discret, mais son cœur trop, trop, trop bon. Vraiment, grand merci, professeur. Merci, merci pour le soutien. C'est Dieu seul qui vous bénira, c'est Dieu seul qui pourra vous récompenser. Merci pour le soutien, merci encore. Moi, je vous prends désormais comme mon mentor, quoi, mon père spirituel, parce que c'est tellement gentil de votre part, votre marque d'intention. Franchement, merci beaucoup. Bref. Affaire Folita, bébé Folita. Et Seigneur Jésus. Bon, dans cette vidéo, moi, je ne vais pas m'attarder sur avec qui elle a fait son buzz. Ça m'intéresse pas. Mais en même temps, je voudrais m'adresser à elle, à mes soeurs de la nuit, surtout du coupé décalé. Et puis à des détracteurs de mon artiste. D'abord toi, Folita, franchement, ce qui me fait mal, j'ai pas compris en fait. C'est vrai que tu t'exprimes pas trop bien, on sent que t'es pas trop bien allé à l'école, mais tu es une très belle femme, une très très belle fille même, je dirais, mais je sais pas. Moi j'appelle ça du bad buzz, hein, ce que j'ai vu ces derniers jours sur la toile, là, c'est du bad buzz. Dis que t'as couché avec une star, et puis quoi? Et puis quoi? Un homme normal, il peut plus s'approcher de toi pour dire va te marier, parce que franchement, il s'imagine, hein. C'est pas intéressant. Tu es une très belle fille. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses pour se faire remarquer. Mais pas s'exposer comme ça sur la toile. Dénudée. Je sais même pas. Franchement, c'est pas décent. C'est pas digne d'une femme. Parce que quand tu fais ça, tu insultes ta mère directement. Tu fais beaucoup de honte. Beaucoup de mal sans le savoir. Je sais même pas si elle regarde. Elle suit tout ce que tu fais sur la toile, mais franchement, c'est pas honorable. C'est franchement pas honorable, bébé Folita. C'est pas du tout honorable. Et puis, tu risques de te créer beaucoup d'ennuis. Voilà, c'est un cercle très vicieux. Le milieu du showbiz, il est vraiment, 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 vraiment très dangereux. Tu peux pas imaginer à quel point. Tu peux pas imaginer à quel point. Franchement. Donc, faut te ressaisir. Faut te ressaisir. Tu es encore jeune, donc je pense que tu peux te ressaisir. C'est pas une vie ce que tu fais là, c'est pas une vie. La vie que tu mènes actuellement, c'est pas une vie. Bon, t'as couché avec DJ Arafat, t'es plus bon. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Le mec même il reconnaît pas. C'est encore une honte pour toi. C'est encore une honte pour toi, les gars. Bon, mais ceux de la nuit du coupé décalé, parce que moi j'ai fait le coupé décalé, c'est vrai que je ne suis plus trop nocturne, mais franchement, je connais très bien le milieu de la nuit. Je sais comment ils bougent. Pour des prix dérisoires, vous êtes toutes prêtes à écarter vos jambes, à aller avec un inconnu, soit pour un téléphone iPhone, soit
vous acheter de nouvelles pommades, de nouveaux savons, des mèches humaines, des trucs éphémères. Vous pensez même pas à fonder un foyer, vous pensez même pas à construire une vie. Vous pensez même pas à galérer avec quelqu'un, ou même vous pensez même pas à rester là dans votre coin. Et puis, par chance, quelqu'un qui est déjà nanti, il va vous voir et puis il va décider de vous marier et tout. Vous pensez que c'est dans cette vie de perdition que vous allez vous en sortir. Puis vous vous surprenez qu'il y a 30, 40 ans, vous n'êtes toujours pas marié avec 2, 3 enfants. C'est le moment de vous de ressaisir. Il n'y a rien dedans. Coupé, décalé. Tu vas aller t'asseoir dans un bar. Le mec, il va payer les champagnes. Le lendemain, il va te donner 5 000 pour rentrer. Pendant qu'il a dépensé 500 à 600 000 là, dans la soirée d'hier où tu étais avec lui. Faut réfléchir un peu avec la tête. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez plus de tête. Toute votre intelligence se trouve entre vos jambes. Franchement. C'est pas noble. Et puis ce qui me fait mal, vous êtes des femmes. Moi, qu'un garçon se gaspille, ça me fait pas trop mal. Parce que je ne viens pas d'un garçon. C'est vrai que c'est un garçon qui est allé avec ma maman. Je veux parler de mon père pour que je vienne au monde. Mais c'est ma maman qui m'a porté en fait. Voilà. Donc, c'est elle qui m'a accouché. Donc, je trouve que la femme, c'est quelque chose de sacré. Vous n'imaginez pas, vous-même, vous voyez pas que quand un garçon sort avec plusieurs femmes, généralement et bizarrement, c'est pas quelque chose que j'encourage, mais on l'applaudit, on est fier de lui, on trouve qu'il est vraiment un bon garçon. Mais quand une femme même sort seulement avec deux mecs, son nom est gâté. Parce que ça ne va pas avec vous, ça ne va pas avec la gente féminine. C'est vilain à voir, c'est dégueulasse, c'est pas propre. Franchement, ressaisissez-vous les filles. Et puis généralement, vous êtes de très belles filles. Je sais même pas pourquoi vous pensez que c'est dans cette facilité-là que vous pouvez vous en sortir. On peut s'amuser. Un jour, passer toutes vos journées, toutes vos nuits dans les bars, à ne rien foutre en fait. Vous pensez vite votre jeunesse, mais vous êtes en train de tuer votre jeunesse en réalité. Mes soeurs, ressaisissez-vous. Voilà, maintenant. Vous voyez? Depuis ma vidéo où j'avais demandé à mon artiste de se calmer, si vous remarquez bien, il est rentré dans un silence. Et je lui dis merci encore, merci de rester dans ce silence-là. Ce sont tes œuvres discographiques-là qui vont parler à ta place. J'ai dit, tu seras à un rang où les gens ne vont pas s'imaginer parce que les gens pensent que la musique, ça s'arrête là, maintenant. Quand tu as des petits problèmes autour de toi, on pense que ta vie se limite à là. Mais on va les surprendre, mon artiste, je te dis. Bref, pour dire quoi, comme le mec, il est dans son coin, il est totalement absent même des réseaux sociaux. Cette affaire des bébés folies, encore, vous voulez lui coller ça. Arrêtez d'être méchant maintenant, les amis. Arrêtez d'être méchant. Le gars, il fait plus de vidéos pour vous insulter. Bon, je sais plus, il fait plus de posts. Il vous calcule même pas. Cette affaire de bébé folie, t'as encore, vous voulez mettre ça sur des bordeaux? Ah! Franchement, votre société va trop loin, quoi. Votre société va trop loin, les amis. Qu'est-ce qu'il vous a fait, même? C'est son silence qui vous dérange tant? Vous voulez seulement qu'il réagisse? S'il réagit même là-même, ça sera même pas pour vous. Parce qu'il n'a plus votre temps. Voilà, il va trop loin maintenant. La concurrence, elle va vous laisser ça. Parce que son niveau est trop élevé pour vous. Arrêtez un peu, hein? Pas besoin de toujours dénigrer quelqu'un, même quand il ne parle pas. Bref, je ne vais pas aller loin parce que je risque de dire des bêtises. Les amis, je vais vous laisser. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse tous.